Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous une méditation pour guérir les traumatismes. Mais avant de vous en dire un peu plus sur cette méditation, je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne. Bienvenue ici. Et j'espère que mes partages, que les méditations, les kriyas, les conseils que je vais pouvoir donner ici vous soutiendront et vous aideront sur votre parcours de guérison. Donc je vous remercie surtout de vous abonner à la chaîne car plus de personnes s'abonneront et likeront les vidéos et plus cette chaîne sera référencée et donc sera accessible à un plus grand nombre de personnes. Et du coup, ces outils accessibles à un plus grand nombre de personnes aussi. Donc, merci pour cela. Et je suis aussi ravie de retrouver toutes les personnes qui consultent cette chaîne régulièrement et qui pratiquent les méditations avec moi. Donc, aujourd'hui, il s'agit d'une méditation pour guérir les traumatismes du passé. Donc, là, dernièrement, il y a un de mes enseignants qui a publié une vidéo justement sur les traumas, et il explique bien que les traumatismes ne sont pas forcément des actions gravissimes comme on a tendance à le penser. Certaines situations, comme des négligences affectives ou autres, hein, ça c'est vraiment qu'un exemple, peuvent être vécues comme des traumatismes. En fait, le trauma va dépendre de l'impact d'une situation sur le système nerveux. Et cela ne dépend pas forcément de l'intensité de la situation. C'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent vivre une même situation, mais la vivre émotionnellement et dans le système nerveux de manière vraiment différente. Et certaines personnes vont être très impactées et d'autres quasiment pas. Donc c'est important d'avoir bien conscience de comment le trauma agit, pas réduire le trauma vraiment aux situations très 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 douloureuse. Donc pour en revenir à la méditation, à l'origine cette méditation elle a été enseignée aux enfants. Mais bien entendu, toute personne qui a subi un trauma dans son passé, qu'il en soit conscient ou non, peut faire cette méditation, qu'il soit adolescent ou adulte bien entendu. Donc elle va venir équilibrer les chakras et les méridiens du corps et elle peut aider à débloquer les croyances qui peuvent être enfouies dans le subconscient. Hein, parce que notre subconscient va vraiment emmagasiner au fur et à mesure de la vie tout ce qu'on a vécu. La méditation consiste à laisser le subconscient libérer les pensées négatives. Et là, dans cette méditation-là, le courant sonore du mantra va venir comme intercepter ces pensées négatives et les détruire. Donc je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui et on va venir surtout faire l'expérience de cette méditation. Je dis souvent, l'idée c'est vraiment d'expérimenter ce que je vous propose, de ne pas croire à 100% ce que je raconte et ce qui m'a été enseigné, mais de toujours vérifier par soi-même. Donc c'est pas de la magie, hein, bien entendu, c'est-à-dire que moi ce yoga je le pratique depuis un certain nombre d'années, je le pratique tous les jours et forcément j'ai eu des résultats, il s'est passé plein de choses, plein de transformations et pas des moindres dans ma vie. Donc c'est pas parce que vous allez faire une méditation une fois si vous n'avez aucune pratique à côté que ça va fonctionner, hein. Mais peut-être que si. Donc ça vaut la peine d'essayer et ça vaut la peine surtout de si cette méditation vous parle et si vous avez un appel et si vous sentez quand vous êtes assis sur votre tapis à votre place et bien apaisé de la pratiquer une fois, deux fois, trois fois, mais vraiment de répéter l'expérience. Voilà. Donc je vais vous inviter à venir vous asseoir en posture confortable. Vous pouvez tout à fait pratiquer assis sur une chaise avec les pieds bien à plat et la colonne bien étirée. Donc vous allez ressentir les points d'appui sur le sol, rentrer légèrement le nombril pour planter les ischions dans la terre. Vous allez étirer le sommet de la tête vers le ciel, relâcher les épaules, fermer vos yeux et prendre un moment pour revenir à l'intérieur, dans votre centre,
dans votre corps physique et d'observer les sensations, tout ce qui est là. Et d'accueillir ces sensations, quelles qu'elles soient, agréables ou désagréables. Laissez votre respiration se relâcher, se déposer de manière naturelle. Et essayez d'habiter tout votre corps, de le ressentir pleinement. Et ressentez vos cycles respiratoires s'étirer, s'allonger. On va venir frotter les mains l'une contre l'autre pour ouvrir l'espace du yoga. Vous allez placer les mains en mudra de prière au centre de la poitrine, les deux pouces contre le sternum. Légère pression dans les paumes, les avant-bras sont parallèles au sol, les omoplates se rapprochent légèrement vers l'arrière. Ressentez votre posture. Inspirez profondément. Et expirez. Inspirez. Expirez, videz l'air totalement. Inspirez pour chanter. Inspirez. Gardez le souffle quelques instants. Serrez Mulabandha, organe sexuel anus centre du nombril. Contenez. Expirez, relâchez. Donc pour cette méditation, on va utiliser le mantra Satanama, qui représente le cycle de la vie, ça étant la naissance, ta la vie, l'incarnation, na la mort et ma la renaissance. On va venir placer la main gauche au centre de la poitrine, au niveau du cœur, avec les mains parallèles au sol. Le pouce est relâché. Et on va venir étirer l'index, le doigt de Jupiter, et le pouce. Les autres doigts sont repliés. Ok? Et on va venir, sur le ça, poser l'index au milieu de la lèvre inférieure. Sur le ta, poser l'index au niveau du bout du nez. Na, index au coin de l'œil droit. Ma, index. Troisième œil. Ensuite, ça,
milieu de la lèvre inférieure, ta au bout du nez, na coin externe, œil gauche, ma au niveau du troisième œil. Ok? Donc les yeux sont fermés et on va utiliser le mantra sur le rythme du Kirtan Kriya. Satanama. Ok, c'est ok pour tout le monde. Donc installez-vous dans la posture. Fermez les yeux, le sommet de la tête bien étiré vers le ciel, les épaules relâchées. Donc la main gauche, centre du cœur, parallèle au sol. La main droite, index pointé, pouce étiré. Et on va suivre les différentes étapes. Satanama. 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 Satanama.
Satana.
Vous allez inspirer profondément, poser la main droite sur le genou, gardez poumon plein et ressentez comme une auto-hypnose et ressentez l'enfant en vous. Votre enfant intérieur. Et expirez. Inspirez de nouveau. Et laissez-vous hypnotiser, toujours en restant connecté à votre enfant intérieur. Relâchez bien les épaules. Expirez. Inspirez de nouveau. Gardez poumon plein, serrez mollo l'abdomen. Et restez connecté à cet enfant intérieur, bénissez-le. Expirez, relâchez la posture. Gardez les yeux fermés un instant. Ressentez ce qui est là. Vous allez inspirer profondément, venir frotter les mains l'une contre l'autre pour refermer l'espace. Placez-le au centre de la poitrine. Ferme l'espace avec trois longs satnam. Inspirez. Expirez. Inspirez pour chanter. Ça. Donc cette méditation rentre aussi dans le programme de la gestion du stress, hein, sur laquelle je travaille depuis plusieurs vidéos. Je vais vous proposer à partir de septembre un programme personnalisé pour la gestion du stress, la libération du stress. Donc c'est assez large, hein, avec comme outil yoga kundalini et la naturopathie. Donc, vous pouvez vous préinscrire parce que comme ça va être un programme personnalisé, je ne pourrai pas suivre trop de personnes en même temps.
Donc, il y aura peu de place dans un premier temps, donc surtout n'hésitez pas si vous êtes intéressé à m'envoyer un message. Et puis il y a toujours le lien pour télécharger l'e-book sur la revitalisation. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci pour votre présence. Satnam.